on se trouve ici dans le mock-up, c'est-à-dire le prototype qui permet de voir toutes les finitions où seront rendues les surfaces, et ça permet aux maîtres d'ouvrage ainsi qu'aux architectes de choisir, de faire les choix finaux aussi sur toutes les finitions, et aussi pour nous d'amener les clients déjà pour qu'ils puissent se projeter dans leurs futurs locaux, de voir les finitions, comment ils pourront les aménager. C'est une bonne aide effectivement pour visualiser son implantation future. Donc ici on a des locaux qui sont livrés avec un plancher technique qui permettent avec 10 cm de vide de passer toutes les techniques en dessous. Également il y a des boîtiers de sol tous les 15 mètres carrés, et sur ce plancher technique on a une moquette qui est fournie, donc qui est livrée comme ceci avec les locaux. On a un plafond avec une voie centrale qui permet le double flux, la pulsion, l'extraction qui permet le renouvellement d'air donc dans les locaux, et puis ensuite nous avons ce qu'on appelle les plafonds rayonnants qui permettent le chaud et le froid, donc de pouvoir réchauffer cet air qui passe et qui circule dans les locaux. En ce qui concerne les locaux communs, les menuiseries seront en inox avec des portes vitrées qui permettent une grande transparence effectivement sur les locaux, qu'on peut évidemment obstruer par des films, mais qui donnent qualitativement, l'inox est toujours une très belle finition. On a un bandeau inox tout le long des couloirs avec des LED qui rétroéclairent le plafond, donc une finition de grande qualité pour des locaux industriels et artisanaux. Dès aujourd'hui, j'invite tous les clients, tous les prospects intéressés et curieux de voir comment sera fini cet immeuble de Stellar 32 à nous contacter, évidemment, pour venir visiter. C'est avec plaisir qu'on peut venir tous les jours de la semaine avec eux, les accompagner, leur expliquer les finitions pour qu'ils puissent se projeter dans leurs futurs locaux.